montagne de feu. Maman et Citronelle sont dans la forêt à la recherche de noisettes. Qu'est-ce qu'on va faire? Pom-pom, occupe-toi des enfants. Je vais chercher maman et Citronelle. Bras de fer, j'ai perdu ma maman. Je vais la chercher. Ne t'inquiète pas. Attends ici avec Pom-pom. Tu n'as rien à craindre. Oh, ne tremble pas comme ça. Mais ça vient d'où? Chaude, en es-tu sûr? L'eau chaude est sortie de la montagne et elle est tombée directement sur nous. Oh, il y a une éruption du côté de la montagne de feu. Au lieu d'une éruption normale, c'est de l'eau chaude qui est tombée du ciel. Une éruption d'eau chaude, mais c'est pas très courant pour un volcan. Non. Oh, regardez, ça recommence. Aide-nous à descendre, je t'en prie. C'est pas seul, je vous en prie. Revenez. De l'eau chaude tombée du ciel, non, il n'y a aucun précédent. Comment chauffer de l'eau chaude dans une bouilloire? Non, ben ça, c'est pas ça. Voyons, attends, j'ai bien quelque chose à propos des baignoires, mais ça, non, ben c'est un peu prématuré. Bon, bon. Alors, les puits d'eau chaude, ça n'existe pas. Je ne trouverai jamais rien sur ce sujet. Mais des puits d'eau chaude tombées du ciel, voilà qui est dangereux, Cléobule. Cela signifie que désormais, aucun de nous ne pourra s'aventurer hors du village tant qu'il tombera de l'eau chaude du ciel. C'est la première fois que ça se produit, que veux-tu que je te dise? Vous parlez d'un savant, alors? Mais tu m'as pas payé mes conseils, attends, mais j'aimerais bien voir cette pluie, moi, au moins je serai fixé. Il ne pleut plus. Il n'y a qu'une chose à faire, monter en haut du volcan et boucher le trou. Porthos, veux-tu nous aider? Oh ben oui, je veux bien. Roman, qu'en dis-tu? Je viens avec vous. Parfait. Koum Koum, occupe-toi de Tim Tim. Oui, papa. Dit, si on y allait, nous aussi. D'accord. J'y vais aussi, moi. Les enfants, ne suivez pas les grands. Il peut y avoir une seconde éruption et vous serez tout ébouillanté, hein? Oh, grand Dieu du feu, pourquoi nous infliges-tu une telle catastrophe? Tes fidèles serviteurs n'auront plus confiance en toi. Pourquoi nous envoies-tu cette pluie d'eau bouillante? Dieu du ciel, explique-moi la raison de ta colère. Oh, feu de Dieu, fais-moi ainsi que je puisse interpréter. La robe d'Escarbille est en train de prendre feu. Flora, ne dérange pas Escarbille. Oh, feu de Dieu, donne-moi la preuve que tu as entendu mon message. Je le sens, je le sens, je le sens. Je l'avais bien dit, Escarbille. Dis-nous quelques messages. Le message est qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Allez-y. Elle bouge. Oui, oui. Petit coup. Oh, elle bouge. On a réussi. Nous n'aurons plus aucun ennui maintenant. Attention. Ça brûle! Ça va faire que va exploser! Fuyons! Fuyons! Allez, vite, dépêchez! Il pleut de l'eau chaude! Je me demande si ça s'arrêtera un jour. Oh! Oh!
Pria. Moi, je te dis que la pluie, elle a eu peur de nous. Qu'est-ce que tous les animaux font ici? Ils font tout cela. Les singes, les cerfs. Vous savez qu'ils vont tous comme ça, hein? Peut-être qu'on devrait les suivre pour savoir où ils vont. Moi, je les suis. Vous venez les autres. Tu crois pas que c'est dangereux ici, ça explose? Bon, ça s'est arrêté maintenant. Oh! Oh, les animaux sont dans l'eau. Il y a aussi des flammipuches, regardez. Je me demande ce qu'ils font. Regardez, il y a même un vieux cerf malade qui est couché dans l'eau. Elles doivent pas être trop chaudes, ils ont l'air d'aimer ça. Ils ont l'air heureux. C'est vrai, hein? On dirait qu'ils s'amusent même. Qu'est-ce que j'aimerais m'amuser avec eux? Allons raconter à papa que les animaux prennent un bain. Quoi? Vous êtes allés sur la montagne de feu pour voir ce qui s'y passait? Papa, on a fait l'aller-retour en vitesse. Ce n'est pas bien d'y être allé seul, Koum-Koum. As-tu vu comme j'ai été brûlée au bras? Oui, maman. On n'a rien à craindre, l'explosion n'a pas duré. Quoi qu'il en soit, c'est très dangereux. Mais papa, toutes les bêtes sauvages étaient là. Les singes, les cerfs et même les flamipuches. Ils s'amusaient tous dans l'eau chaude. Tous les animaux aiment l'eau, mais ils ne connaissent pas le danger. Ils avaient sans doute envie de boire, c'est tout. Ils buvaient peut-être, mais je suis sûre qu'ils s'amusaient aussi. Ils s'amusaient. En voilà assez, Koum-Koum. Ce n'est pas en racontant des histoires que tu te feras pardonner. Alors ne retourne pas là-haut, tu entends? Yik! Papa, si j'étais à ta place, j'enfermerais Koum-Koum dans la grotte. Escarbille, nous sommes venus te demander ton aide. Nous craignons que les enfants s'approchent du geyser. Ils pourraient se faire brûler. Ils peuvent en effet se faire brûler ou alors ils bouilleront plus. Peux-tu nous donner une prévision sur le moment où l'eau commencera à jaillir? Un présage! Oh! Écoutez tous attentivement les prévisions. Oh! Voici les dernières nouvelles. Bientôt, ce sera le paradis sur Terre. Ah, je veux de nos dernières nouvelles. Qu'est-ce qu'il a dit, Fortos? Oh, Fortos, il s'est fâché. Il n'a pas voulu m'écouter. Papa non plus veut pas m'écouter. Koum-Koum, qu'est-ce que nous allons faire? Allons tous ensemble au bain d'eau chaude. Mais les grandes personnes pourraient la prendre. Mais pas si nous sommes prudents. Les adultes ont trop peur d'y aller, mais pas nous. Si vous y allez tous les deux. D'accord, allons-y. Ouais. Oui. Et si tout le monde y va au bain d'eau chaude, moi aussi y vais. Ils ont l'air confortablement installés. On dirait que le cerf malade va mieux. Ça m'étonnerait qu'on soit aussi à l'aise que dans l'eau. Pourquoi pas? J'ai envie de faire un plongeon. Mais j'ai pas de fourrure sur la peau comme les animaux, toi. Ah, vous êtes des poltrons, moi je plonge. Moi aussi. Pim-pim, toi tu ne dois pas aller dans l'eau. Tu vas rester là parce que c'est trop dangereux. Attends-nous à l'ombre de cet arbre, ça te protégera du soleil. Dans une grotte de fées. Ils sont allés où, les animaux? Ils sont tous partis. Tu crois que les animaux nous aiment pas? Oh, je vais mettre un pied dans l'eau pour voir si elle est vraiment chaude. Vas-y. Fais attention, hein. Oh, elle est pas bouillante, juste un peu chaude. Chouette, plongeons alors. Oui. Ouais. Moi, je me sens un peu comme dans la baignoire en bois de chez nous. Oh, moi, j'ai bien chaud partout. C'est chaud et mouillé en même temps et ça caresse la peau. Moi, je suis tellement bien que je pourrais bien faire une petite sieste. Ah, c'est pas le moment. Voilà qui t'empêchera de dormir. Ok, voilà pour toi. Je m'amuse. Ma robe est toute mouillée. Je vais t'arranger ça. Koum-Koum, non! Le soleil fait bouger l'arbre. Bon, bah alors, c'est bien, hein? À présent, je suis satisfait et heureux. Oui.
de cet arbre, Tim Tim. Oh, ça, c'est pas de bon jet. Je crois que t'as raison, Tim Tim. T'étais là avant, c'est vrai? Non, dépêchons-nous vite. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'avais pourtant prévenu, Koum-Koum. Papa! Lily-Belle, pourquoi es-tu allée là-haut? Tout ce que nous voulions, c'est nous baigner dans le bain d'eau chaude, maman. Oui. Koum-Koum, je sais que tu es le chef de la bande, c'est donc toi qui seras enfermé dans la grotte, tu entends? Koum-Koum. Mais papa, on a découvert quelque chose d'intéressant au sujet du geyser. Je ne veux pas en entendre parler pour le moment. Les villageois ont des choses importantes à discuter. Koum-Koum conduit tout de suite Tim Tim à la maison. Ouais, ouais, Lily-Belle à la maison. Je te l'avais dit, c'est toi qui iras dans la grotte. C'est toujours moi! Alors, les enfants, qu'avez-vous découvert de si intéressant à propos du geyser de la montagne? Cléobule, est-ce que tu veux bien m'écouter? Mais je t'écoute, c'est sûrement plus intéressant que les discussions stériles des villageois. Eh bien, voilà, Tim Tim se tenait dans l'ombre de cet arbre tant que le geyser était calme. Mais quand il a jailli, on a couru et Tim Tim était toujours debout dans l'ombre. Mais il était là, alors comment peut-il rester dans la même ombre en deux endroits différents? Eh! Ah, mais ça veut dire que l'ombre a bougé d'ici jusque-là. Ça veut dire que quand le geyser était calme, Tim Tim était là, et que quand il a jailli, il était là. Mais ça, c'est une sacrée découverte. Donc, la position de cette ombre pourrait nous dire quand le geyser va jaillir. Ah, c'est exactement ce que je me disais, Cléobule. Pourtant, jusqu'à présent, je m'étais jamais demandé pourquoi elle bouge les ombres. C'est parce que le soleil se déplace dans le ciel et que toutes les ombres se déplacent avec lui. Tâchons de reprendre depuis le début. Vous étiez tous en train de prendre un bon bain et le petit Tim Tim était dans l'ombre d'un arbre, hein? Quand tout à coup, le geyser a jailli, juste au moment où Tim Tim était à un endroit précis. Oui, oui. Ouais, peut-être que les animaux comprennent les déplacements de l'ombre du soleil. Moustique, t'as raison, ça pourrait expliquer pourquoi ils sont tous partis en courant. Eh bien possible. Et si on retournait voir? Dis, Koum-Koum, nous avons promis de rentrer chez nos parents. Si on retourne là-haut, chez la fée. Mais c'est notre seul moyen pour prouver que le geyser est en relation avec l'ombre du soleil. Eh bien, moi, je vais y aller tout seul. Quoi? Et je n'ai promis à personne de rentrer, donc je vais aller là-bas réfléchir à la question. Tout le monde est d'accord? Oui. La question est réglée. Nous placerons une clôture qui empêchera les enfants de trop s'approcher du geyser. C'est le meilleur moyen, bras de fer. On ne sait jamais, le geyser pourrait jaillir à nouveau. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas. Je crois que c'est une bonne idée. Mais je vous aide pour la clôture. Mais si ça explose pendant que vous êtes occupé à mettre la clôture, ça pourrait se produire et vous risqueriez d'être ébouillanté. Ça risque en effet de poser un problème. Plus pour longtemps, sapristi! Koum-Koum a résolu le problème à votre place, chers adultes. Il a trouvé un moyen de connaître les humeurs du geyser. Comment s'est-il débrouillé? Il a remarqué que le soleil projette son ombre à un certain endroit quand le geyser jaillit. Peut-être qu'il a raison, mais nous n'en construirons pas moins notre clôture. Oh oui, comme ça nous serons plus tranquilles. Tim Tim, j'aimerais que tu prennes ta place dans l'ombre. Oui. Pas de signe d'éruption. Les animaux doivent se sentir en sécurité. Espérons que Tim Tim et Cléobule sont aussi en sécurité. Tu sais, Flora, je suis inquiète au sujet des enfants. Il ne leur arrivera rien, dit. Ne t'en fais pas, ils sont avec Cléobule. Ils nous préviendront quand le geyser devra exploser. Koum-Koum, les animaux s'en vont. Mais c'est exactement comme hier. Pourquoi Cléobule ne nous a pas dit que l'ombre a changé de place? Oh, il est sûrement trop tôt. Cléobule nous aurait prévenu sinon. Les flamipus s'en vont aussi. Ellie, Koum-Koum, j'ai bien l'impression que le geyser, il va se mettre à faire des chiennes. Oh, mais nous n'avons pas été prévenus par Cléobule. Je descends voir. Dis, on ne risque toujours rien, Koum-Koum. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Cléobule, tu t'es endormi alors? Ouais, mais pas du tout. Et... Ah! Où est passé Tim 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 Tim? Bon, est-ce que l'ombre a atteint la marque?
Quelle était cette idée stupide au sujet du nombre qui nous préviendrait? Koum Koum avait raison et Tim Tim était sur le point de me dire qu'il... Tim Tim, je le croyais à la maison. Le pauvre est à la poursuite d'une taupe. Quoi? Tim Tim! Tim Tim! Tim Tim, où es-tu? Réponds-moi, Tim Tim! Ah, te voilà, mon gaillard! Ça, un peu plus sur la droite. Encore. Pas comme ça. Encore, Fortos. Encore plus haut. Plus haut. De faire, pardonne-moi de m'être endormi, mais Koum Koum avait raison. J'ai consulté mes tablettes. Son invention s'appelle cadran solaire et c'est ce que vous fabriquez en ce moment. Attendez-moi et il me chasse couille. Ça y est, ça suffit, Portos, ça va aller comme ça. J'arrête. Bon. Voyons si ton cadran solaire fonctionne, Cléobule, si Koum Koum a fait une vraie découverte. Et d'après mes calculs, le geyser devrait arrêter de jaillir lorsque l'ombre se trouvera entre ces deux croix. Ce qui veut dire que lorsque l'ombre sera là, demain, nous pourrons tous nous baigner sans crainte. Mais crois-tu que ce soit très prudent? Les eaux thermales, il n'y a rien de meilleur pour la santé. Alors la prédiction d'Escarbille était juste. N'a-t-elle pas dit que ce serait bientôt le paradis sur la Terre pour nous tous? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, viens dans Tim Tim. Koum Koum? Ah. Si tu ne te décides pas à dormir, tu seras fatiguée demain. Je suis bien trop impatient pour dormir, maman. C'est étonnant. Oui. Venez, on va se baigner. Laura, si nous allions tous ensemble.
眠いな明日もくしに